Bon, bienvenue à Barbezieux. On est parti pour aller se promener un petit peu dans la ville. Pareil, comme hier, Sigma FPL monté avec le petit 20mm f2, si besoin, j'ai le 65mm f2 dans le sac. Et puis on va voir s'il y a quelques photos à faire. On a un beau ciel, on a une belle lumière rasante hivernale. Ça caille, il fait 2 degrés, 3 degrés, ressenti 0. Mais bon, on va aller se balader, on va essayer de faire pas mal de belles images. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Hop, on va faire une petite photo du château. On va essayer de mettre un peu d'arbres devant, peut-être. Ouais, il y a la voiture qui fait chier, malheureusement. Mais on va venir la sortir du cadre. On a l'avantage d'être avec la 20mm, donc on est assez large. Ah, ça c'est nouveau, je connaissais pas. Duchesse d'Angoulême. Panneau sur. Il est assez grandiose quand même ce château. Très très beau. T'avais quoi? Moi aussi je veux bien 50%. Ah, celle-là j'ai un beau cadre. Oh, une Rama F4. Nickel. On va avancer dans la vieille ville en espérant trouver un endroit où il n'y aura pas de vent aussi glacial. Je vais voir si en face du château de ce côté-là, on a un cadre intéressant ou non. Immortalisé. Ouais, on peut avoir des choses intéressantes. On a une lumière rasante qui est pas vraiment dans mon dos. Donc ça peut peut-être donner quelque chose d'intéressant. Ça prend plutôt bien. C'est juste dommage que j'ai le gros panneau rouge accueil. Regarde. On va faire avec le gros panneau. Quoi, c'est un F4 à peu près. Là, on peut peut-être avoir quelque chose avec le château. Moitié caché. À voir. Oh, ça peut bien donner. C'est pas trop mal, on va continuer, on va voir s'il y a d'autres choses. Petit aparté, j'ai récemment ouvert un compte Tipeee si vous souhaitez me soutenir financièrement. Vous pouvez bien entendu me soutenir gratuitement en vous abonnant, en laissant un like ou un commentaire. Et ceux qui ont envie de soutenir financièrement cette chaîne YouTube, je vous laisse un lien dans la description. Allez, fin de la parenthèse. Il est beau, il est beau. Ah, le vieux Saint-Hilaire, hôtel de ville. Là, c'était essayer de se mettre bien en face. C'est d'avoir des perspectives les plus droites possibles. Là, j'en ai fait une très large, une moyenne. On va essayer de faire peut-être des plus rapprochés. Hop là, je coupe un peu de la toiture à droite pour éviter. Ok. On va essayer peut-être une proche avec les petites fleurs qu'il y a là encore. Ils vont me prendre pour un fou les gens. Les petites fleurs, ça fait une bonne amorce. Peut-être même limite un peu trop flou. Mais bon, ça passe. Est-ce que je peux voir ici? Ça fait
une belle bâtisse, hein, quand même. Nickel. Jardin public de l'hôtel de ville, tiens. Alors, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, j'y suis jamais allé. Ah, du coup, on est derrière l'hôtel de ville. Donc, l'hôtel de ville, avec toutes ces arches comme ça, il est vachement beau. On va essayer de faire une petite photo. Alors, je vais essayer, comme de l'autre côté, de me mettre à peu près en face. Là, c'est un peu difficile parce qu'il est pas vraiment symétrique par rapport aux arches, mais ça devrait être pas trop mal. Alors, hop, je suis sur F22 en réalité, on va se mettre à F4, ça va suffire. Ok, good. Là, j'ai les escaliers, j'ai l'hôtel de ville tout au fond. C'est une petite photo ici. Hop. Nickel. Je sais pas ce que ça donnera, on verra la retouche. Une petite photo de l'hôtel des finances. Nickel. C'est joli, hein. Avec l'envolée de pigeons au-dessus, je sais pas si j'ai réussi à en avoir une avec les pigeons. Bon, ça fait très ville morte, hein. Oh oui. On n'a pas croisé grand monde. Bon, par contre, là, on a froid. Bon, on va aller sur ce. On va quitter le petit village de Barbezieux. Et tiens, c'est bien, on est devant une table de... Comment ça s'appelle ? Ouais, c'est une table de réputation. Du coup, en Goulême, c'est par là. C'était là, on a fait la première sortie hier. Là, on va aller plutôt vers là-bas, chez Croyant. Pour aller se balader. N'est-ce pas ? Ouais. On va aller, c'est parti. La suite, c'est très bientôt.